Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire une petite présentation, même si j'ai noté que c'était un let's play sans commentaire. Mais bon, j'avais envie de quand même vous dire deux trois trucs. Après, je me suis essayé commentaire en jeu et non, je suis vraiment très très mauvais. Donc, pas la peine d'assister. Donc voilà, juste une petite présentation pour. Vous expliquer un petit peu le fonctionnement du let's play. On va essayer je vais essayer hein, de faire l'aventure en entier. Après on va voir parce que là où j'habite j'ai un débit de merde pour envoyer des vidéos, donc ça prend trois plombes. Donc voilà, c'est un Skyrim qui est pas mal modé hein, que dire de plus, on va essayer de le jouer en difficile voire expert, on verra au fur et à mesure de l'aventure. Les tendances du personnage, ça va être plutôt furtivité, archerie et peut-être un petit peu de forge. Il y aura très peu de magie à part pour se soigner. Voilà, pour le reste, vous connaissez l'histoire, hein, tous par cœur. Hein. Après 3 ans de bons et loyaux services, Skyrim a été exploré de fond en comble par la planète entière. Donc il n'y aura pas de nouveautés, il n'y aura pas de révélations que personne ne connaît. Donc voilà, je vais vous laisser profiter de l'arrivée de Melwyn, parce que c'est comme ça, je vais jouer un personnage féminin. C'est comme ça qu'elle va s'appeler, donc je vais vous laisser... avec les protagonistes, en vous souhaitant de bons visionnages. Et puis comme on est en fin d'année, je vous souhaite de bonnes fêtes et un très bon réveillon. A bientôt. Bien, nous voilà donc à Helgen. J'ai courtisé une fille autrefois. Je me demande si Lilotte met toujours des genièvres dans son hydromène. C'est amusant. Les petits, les remparts et les tours des impériaux me donnaient un sentiment de sécurité. Allons-y, ne faisons pas attendre les dieux. Non, attendez, nous ne sommes pas des rebelles. Affrontez la mort avec courage, voleur. Vous devez leur dire, on n'était pas avec vous. C'est une erreur. Montez en direction du billot quand vous entendez votre nom. Un seul à la fois. L'Empire adore ces sacrifices. Ulfric Sombrage, Jarl de Vendôme. Ce fut un honneur, Jarl Ulfric. Ralof de Rivebois. Lokir de Rorikbourg. Non, je ne suis pas un rebelle. Vous n'avez pas le droit. Halte là. Vous n'arrivez pas à tuer. Marchez. Quelqu'un d'autre a envie de s'enfuir? Vous là, avancez. Qui êtes-vous? Vous avez bien mal choisi votre moment pour rentrer au pays. Capitaine, que fait-on? Elle ne figure pas sur la liste. Oubliez la liste. Elle va oublier. À vos ordres, capitaine. Désolé. Au moins mourrez-vous ici, sur votre terre natale. Suivez le capitaine. Ulfric
Certains ici et Helgen prennent pour un héros. Mais un héros n'utilise pas un pouvoir comme celui de la voix pour assassiner son roi et usurper son trône. Vous avez commencé cette guerre, plongé bord de ciel dans le chaos. Désormais l'Empire va vous abattre et rétablir la paix. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est rien. Continuez. Oui, général. Accordez-leur leur dernier récit. Nous recommandons vos âmes à Eternus. Que les huit divins vous bénissent, car vous êtes le ciel et la terre. Pour l'amour de Talos, taisez-vous et finissons-en. Allez, je n'ai pas toute la journée. Mes ancêtres me sourient, Imperio. Pouvez-vous en dire autant? Chien d'Imperio! Justice! Mort au sombrage! Aussi courageux dans la mort que pendant le sang. Maintenant le Nordique en haillon. Ça recommence. Vous avez entendu? J'ai dit, au suivant! Allez, au bio! Et dans le cadre. Qu'est-ce que c'est que ça? Sentinelle, que voyez-vous? Il est dans les nuages! Par les dieux, un dragon! Comment est-ce possible? Nous sommes les seuls à en être sortis. Aucun doute, cette chose était un dragon. Comme ceux des légendes et des contes pour enfants.
Les héros de la fin des temps. On ferait mieux de partir. Venez là, laissez-moi voir si je peux défaire ces liens. Et voilà. Très bien. Mettez cette armure et faites quelques moulinets avec cette hache. Je vais voir si je peux trouver un moyen de sortir d'ici. Ah, c'est verrouillé. Voyons cette porte. Bon sang, on ne pourra pas l'ouvrir de ce côté. Allez, vous arrêtez pas. Mario, à couvert. Ouvrez cette porte. Venez, partons d'ici avant que ce dragon nous fasse tomber toute la ville sur le crâne. Essayez de trouver des potions, on en aura besoin.
ici. Une seconde. On dirait qu'il y a quelque chose dans cette cage. C'est fermé. Essayez de l'ouvrir avec des crochets. On pourrait avoir besoin de cet or quand on sortira. Prenez ce dont vous avez besoin et allons-y.
progresse. Hey, faites attention! Pourquoi tant de hâte? Voyons ça.
par ici. Sentez en veine, vous aussi prendre cet arc. Ça pourrait la surprendre. Assez devant. Je couvre vos arrières. La sortie. Je savais qu'on allait s'en sortir.